Parfois dans les églises, quand on parle de ça, les amens commencent à descendre. Mon moutier, c'est que je vais parler. Je vais parler. Vous avez pour votre bénédiction. Vous avez des soignants. Quand les voisins disent que j'ai encore une voiture, ça veut dire que je suis piéton. Vous, ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait rien. Vu que c'est que ça, tu as entendu ça, on a dit tu as fait passer. Tu as dit ça. Même là. Moi, j'ai encore une voiture. Il est caché à moto comme 11. Ça veut dire que je suis encore piéton. Quand l'équipe de vie. Tu as dit que c'est la tête. Ah, tu courir en bouillie. Tu courir en bouillie. Vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Je vous ai dit qu'il a tout bien en bouillie. Écoutez, les gens qui ont vécu du temps de Frère Branham, ils ont compris que soutenir Dieu, c'était soutenir Frère Branham. C'est ça qu'on supporte à Branham. Il y a même un frère qui a vendu sa parcelle. Il est venu acheter à côté de Frère Branham. Il est venu acheter à côté de Frère Branham. Un jour, je suis venu un frère qui disait, one day, I'm going to go église à ma churches. Les pasteurs citent que les frères qui ont beaucoup d'argent. Ma bourse, on va tomber le chien, ils visitent que les frères qui ont beaucoup d'argent. Madame, dans les ma brother, on va dans Zambie. Je tellement ris. Non, c'est comme un ligne. J'ai dit, mais toi aussi, tu peux faire que les pasteurs te visitent. Mais on va chiter, on va bourse avec tout le temps. On va plein. Ouais, ma bourse, on va dans le. Vous pensez que les Branham Cabana, il y avait 40 personnes. Et vous m'avez dit, vous n'avez pas de 300 personnes. Vous n'avez pas de 300. Laissez-moi vous dire. Les gars, les cousins, tu vois. Mais c'est qu'il y a vous allez voir qu'il y a toujours les mêmes noms qui reviennent. Vous avez pris Mandine à 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 Mandine. Quand Agabraïte entre dans ma parcelle, Agabraïte en gagne mouillant moi, mais dans ses cris, mais dans Pundas, ce sont des billets d'avions de voyage outre-mer. Ni ma ticket, ma janue, donc ma cantrise en Angouyafika. Vous pensez que quelqu'un comme ça pouvait l'oublier dans la prière? Et moi, là, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu même toi, si c'était toi, tu as dit, tu allais l'oublier dans la prière. Tu m'as dit, tu m'as dit, Élisée a d'autres. Il a Saul d'autres. Saul dit. Comment pouvons-nous aller voir l'homme de Dieu? Comment? Son serviteur dit non. Je n'avais pas bouffé tout l'argent. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Amazon. Viens encore un peu. Mais aujourd'hui. Comment aller? Quelqu'un vient voir les pasteurs. Pour on a repoussé. Il lui bloque d'abord 4 heures du temps pour son problème. 4 hours. I wish me get this story. Après, il dit, after that, j'ai pas de transport. On passe à l'épée de transport à part. Et tu veux être bien. Dans ce monde, il y a des lois. Parce que passe pas du mal à vous. Si tu veux être spirituel, prie beaucoup. Donc, on ne pas aussi, vous pouvez faire la manie. Si tu veux être béni financièrement, donne. Donc, on a dit, c'est les lois de Dieu. Donnez-moi un amen. Campagne, amen. Il y a des lois. Pour les malades. Ce sont des lois que Dieu a établies. Tu viens ici, tu pries toute la nuit, tu vas voir des visions. Tu vas voir des visions. Vous avez ma vision. Tu verras des vies. Vous allez voir ma vision. Vous vous êtes déjà posé la question. Vous n'avez pas ça. Pourquoi les gens qui vont chez les magiciens? Dans la chaîne, on va chercher l'argent. Mais les magiciens lui disent, nous avons 400 quatre. Mais pas si vous avez 4 papa, mais moi je viens chercher l'argent. Il va vous dire. Vous savez, Satan ne fait qu'imiter. Satan a conquéré ça. Et lui se retrouve devant la veuve de Sarepta. Il a une appétence sur le quoi? La veuve de Sarepta avait la dernière farine. Donne-moi d'abord. Il dit qu'il est une fesse. Moi j'en cherche. Il est dit ça qu'il a tout. Tu en cherches. Où ça qu'il a? Donne d'abord. Il passe une fesse. Alléluia.
Tu la cherches, hein? Où ça qu'il a? Ok, n'y passe, fais. C'est la parole, amen. N'y m'a aussi, amen. Non, je sais qu'il y a des gens tellement spirituels qui sont blessés quand on parle d'argent. Mais dans la Bible, il est écrit l'or et l'argent. Dieu lui-même n'est pas blessé quand il parle de l'argent. Amen. Hein? Amen. Je reviens dans l'histoire de Abraham Tabernacle. Vous pouvez l'histoire de Abraham Tabernacle. Une sœur qui s'appelait Belle. Si ça m'a dit, c'était le père. Sœur Belle. Si ça peut. Une amie à frère. Une intime à la famille. Elle était malade. Et la nuit, aussi, elle appelle Billy Paul. La Billy Paul. Elle dit, je suis gravement malade. Billy toque à la famille. Elle ne comprend pas ce que tu as. Elle dit, papa, sœur Belle est très. Si ça peut, à toi la manique. Frère Branham dans la chambre. Il entend. En ville. L'ami de sœur Belle est malade. Écoute, l'ami de sœur Belle est malade. Mon Dieu, si ça peut, à toi la manique. Ça dans. La plus grande bataille jamais. Vous savez, les gars, the greatest battle ever fought. Il est devenu ça. Vous voyez, dans le ciel, il. Et, frère, voilà, sa genou. Branham ma quoi? Seigneur. Ambouille. Guéris l'ami de la serbe. Tu es allé, mon Zach, ouais, si ça peut. Vous êtes allé, Yesu. Amen. Amen. Le matin. Conseil. La serbe est morte. Si ça peut, ah. Frère, voilà, bébé. Branham, Billy. Billy. Comment la nuit, son ami est malade? Moi, tu aussi, moi, mon Zach, il vient sur toi. Le matin, elle-même. Conseil, il a dit, Eve, si ça peut. Billy, non, papa. Je n'avais pas dit l'ami. Si la j'avais dit ça. La capacité. Dieu n'avait pas voulu que j'entende que c'était Serbelle. Vous ne pouvez pas dire que c'était Serbelle. Sinon, j'allais démarrer ma voiture. C'est maintenant, il y a une moto. Et je vais vous dire que je suis là. Quand un malheur arrive, le pasteur ne dort pas. La bourse, c'est pas sa bonne. Je vous dis la vérité. Vous allez pas son. Tout s'arrête. Vous savez, on va traiter d'abord son cas. Qui est dit, la galère qui est certaine. Vous pensez que c'est seulement comme ça. Mais moi, on a trouvé ça. Saute à moi. Si tu es bien envers Dieu, Dieu sera bien envers toi. Mais tu lui pour le coup, vous le voyez pour le coup. Vous pensez qu'au temps de Paul, les gens ne mourraient pas. Moi, on a taille bien pour ma tuer ce monde. Au temps de Pierre, les gens ne mourraient pas. Mais quand David est mort, parmi les David en a. Les femmes ont dit, ma casse à la gamme, Pierre, Pete, ne blague pas avec nous. On s'est sauvé dans la vie. David ne va pas. Pete, ça, ça m'a dit. Pierre a dit, mais c'est quoi ça? Pete, Michel, il dit, mais qui va contre pour nous? Tu vas mal, c'est d'un, à sa porte, il a ma casse à ton femme. Toi, tu viens seulement à l'église. Et on peut la faire au tête. Tu rentres. Ou après, on peut. Tu viens. Ou après, tu rentres. Ou après, offrande. Offrande. Tu appuies des couches comme ça. Jette ça dans la corbeille. Dans les dons appropriés. Ce que vous donnez à Dieu, c'est ce que vous pensez de lui. Dites amen. Je vous donne le secret de la bénédiction. On aura trois paniers. Panier de la construction. Panier de dîmes offrandes. Panier d'œuvres missionnaires. Panier d'œuvres missionnaires. Tu avais 15 squats. Vous avez 15 squats. C'est pas 5. So what? C'est 5 squats. 5. Et puis il y a d'autres même qui ne donnent pas l'offrande parce qu'il n'a pas de petites coupures. Pour lui, non. Tu vas passer au fond. Il faut arrêter tout ma soirée. Il a sa squats. Il dit, je ne vais pas donner parce que je n'ai pas de petites. S'il n'a pas qu'à faire une fois, il met tout ma soirée. Donc toi, tu veux dire que your God is small. So, il va falloir mille quatre pour le pauvre humain. C'est ce que tu veux nous informer. Bien parlé au tizis. Et puis l'offrande. Offrande. On la prépare pas ici à l'église. Soumaï pangile. On la prépare où? Où on la prépare? Kunyumba wa panga kudala. Et puis frère Branham me dit, on n'a jamais adoré sans offrande. Si vous adorez sans offrande, votre adoration est incomplète. Un jour Abraham, il dit à Sarah, on part adorer, on va revenir. Arrivé sur la montagne, Isaac lui dit, papa, j'avais entendu. Tu avais dit à maman que nous allons adorer. Voici le feu. Ok, mouliro. Voici le bois. Mkounis. Où est le manger pour les sacrifices. Mais les livres tu manges Dieu d'opérer comme sacrifice. Alléluia. On n'adore jamais sans offrande.
Donnez-moi un grand amen. Alléluia. C'est une loi. Ni la amen. Donc vous ils n'ont pas donné deux habits aux serviteurs. Si on n'a pas ses voix par la vie, mais ils ont donné deux habits à qui? Qu'on n'a pas ses voix par la vie, Dani. Moi je suis venu ici à Lusaka. Il est là pour la Lusaka. C'est Jésus qui m'a reçu, n'est-ce pas? Yes, Dieu est amen. Amen. Jésus m'a reçu. Yes, Dieu est amen. Moi je suis chef. Mais pas la pourri brave. Alléluia. Vous êtes venu ici. C'est Jésus qui prêche, n'est-ce pas? Bien sûr, Dieu est amen. C'est un homme qui se tient. Pas venu mon toi, mais là il se voit là. Vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Je vous dis qui l'a tué en bouillie, why? Et la cause de beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Tu veux dire que ça n'a pas le droit de dire parce qu'ils parlent le mal des uns des autres. C'est pourquoi ce madame regarde et dit le corps le plus malade. C'est le corps de Jésus-Christ. Il y a un peu de Jésus. Pasteur. Tu vois quoi? La bouche parle mal de l'air. L'œil voit un pied mauvais. Le pied refuse d'aller accompagner les bras. Les bras frappent la tête. Et le corps est malade. Il ne sait rien faire. C'est ça le corps de Christ. Tu avais vu cette sœur là? Elle a fait trois dimanches avec la même jambe. Après, là, ma sœur est à table. Tu as vu ce frère là? Ces chaussures là, quelle sœur peut les mettre? N'attends ça pas toi. Si ça prend un bon. Donc le corps est en train de se mettre des cicatrices. C'est quoi là, c'est en bonne santé. Il y a tout ça qu'à nous. Nous constituons un corps. Il parle de tout pivot. Et nous ne devons pas parler en mal les uns des autres. Tu as vu les pasteurs. Oui, c'est qui commence à exagérer. Par contre, ça va finir à moi. Exagérer. Bon, bah, c'est là. Frère. Discerne le corps. Il dit qu'il s'est tout bien bouillé. Comprends. Verset ça. Frère, mon ami, quand tu vois ton frère en erreur. Qu'est-ce que tu dois faire? Va vers lui. Et moi, tu comptes. Alléluia. Bien aimé. Au coin des doigts. Je t'avais vu. Il n'a qu'où on a. Au coin là. Au coin là. Au coin. 23 heures. Ma 23 heures. La deuxième sœur. Ma sister. C'est qui? Nida Nyonja. Oh non, c'est au fait manière. Ah oui. Ah. Nidji Swanga. C'est terminé. Wow, wow, je suis assis là. Mais si toi c'était. Les frères. Les frères. Ma frères. Ma là, nous jugeons les uns des autres. Nous avons reçu l'ordre et prié les uns pour les autres. Je veux entendre un grand amen. Je vais encore lire Fabrana. Aujourd'hui, nous allons laisser les dieux imaginaires. Aujourd'hui, nous allons toucher Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, mes expériences. Ma expérience. Et chez le 2 mars 1948, paragraphe 4. Second March. Paragraphe 4. Nous avons besoin des gens qui n'ont pas d'église ici. Qui font avant de venir qui se débattent. Mon conseil pour vous sera rester de votre porte du devoir. Si loyalement que possible, pour la cause de Christ. Soutenez votre pasteur. C'est vrai, madame, qui l'a dit. Il dit amen. Pour la cause de Christ. Faites-le. Et Dieu vous bénit. On dit amen. Le seul moyen pour vous. De pouvoir respecter Dieu. C'est de vous respecter les uns les autres. Oui, madame. On dit amen. La seule façon pour vous de pouvoir respecter Dieu, c'est de vous respecter les uns les autres. Oui, madame. Écoutez, une maman à l'église, elle est une maman.
Sincèrement, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que je ne vous blesse pas? Si tu vois là, Nial. Ah, vous êtes des aigles. Ah, que ne me maille pas au cas. Vous parlez de ma camarade. Et vous savez, je ne suis pas un prédicateur. Je n'ai aucune instruction. Je ne sais pas prêcher. Je ne prétends pas être un prédicateur. Mais ma prédication, c'est juste par un ton. C'est la confirmation de ce dont la machine qui se rend par les prédicateurs. Dans mon ignorance, je pense que Dieu m'a simplement laissé grandir comme cela. Il connaissait mon cœur. Que j'aime le peuple de Dieu. Et que j'aime Dieu. J'aimerais bien faire quelque chose. Si je ne vous aime pas, alors je n'aime pas Dieu. Amen. Si je ne vous aime pas, alors je n'aime pas Dieu. La seule façon pour moi de servir Dieu, c'est de vous servir. Alléluia. Amen. Servez-vous les uns les autres. Vous servez les uns les autres. Les pasteurs ne dorment pas toute la nuit en train de méditer, en train de prier. Va se méditer, tu vois. Tout ça pour vous nourrir. En fait, il est en train de servir Dieu. Maintenant toi aussi. Quand tu veux donner à Dieu, pourquoi tu commences à réfléchir? Parce que lui, quand il n'a pas dormi, il n'a pas réfléchi. Vous savez pourquoi on se rend la vie difficile les uns les autres? C'est parce que on ne connaît pas notre position. Quand Josué a partagé le pays par inspiration, il a dit Dan, là-bas, Ephraïm, là-bas, Manassé, là-bas. Il dit vous tous, allez travailler. Il dit quand vous finissez de travailler, enlevez les uns des autres, donnez à Lévi. Parce que Lévi, il ne va pas travailler. Il va rester là, en train de prier pour vous. Seigneur, que leur travail. Seigneur, protège les parents. Seigneur, épargne la mort. Seigneur, épargne la maladie. Seigneur, enlève les péchés. Seigneur, appuyez. Et vous, quand vous finissez, les uns des autres, chez Lévi, vous donnez à Dieu. Vous passez pour nous. Mais aujourd'hui, un dixième, calcul. Ha, pas ni ma sam. Quand c'est encore 100 quoi, c'est bon. Ah, quand c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Je donne 10 quoi. Ah, n'a pas les 4 quoi. Et quand c'est 1 million. Magati, 1 million. 1 million. Oh, 1 million. Frère, Dieu ne compte pas cet argent. Il te dit les 1 dixième. Moulouko s'appelle dans la maison. Même si c'est 100 milliards. Donne-le. 100 billion. Alléluia. Peleka. Et la seule façon pour vous de soutenir Dieu, c'est de soutenir un homme. Dites amen. Campagne amen. Parce que dans votre chambre, si vous priez, que Dieu exauce votre prière, que Dieu vous donne quelque chose.
C'est un homme qui va vous les donner. Ni muntu amena kabolo kwa Seigneur, les gens sont bloqués. On a un droit à la voiture. Parfois, quand Dieu te bénit, sometimes that you are cette richesse-là, ce n'est pas pour toi-même. Parce que tu fais quoi? Aucun arbre ne produit de fruits pour lui-même. Quand Dieu me donne le don de chanter, ce don-là ne m'appartient pas. Je ne peux pas commencer à m'enfermer dans la chambre. Si combien de Et puis c'est fini. Le don là c'est pour vous. Pas son yam. Ah, dites amen. Campagne amen. Ils ont dit amen. Wabou, c'est là quand même. Le ministère c'est pour vous. Où tu veux dites amen. Campagne amen. Mais l'argent c'est pour vous. Mandala Malizano. Quand je vois les frères, les frères. Le don là c'est pas pour toi. C'est ce que je suis à compagnie. Il a 40 véhicules, il passe là-bas. À la faute une moto. Sous la pluie, le frère s'est mouillé. Ah, puis ça sort. Le frère s'est mouillé. Voilà, dans mon vol. Pitié, vraiment, il s'est mouillé. Ah, brada, sort, mon anaï, sort, y'a. Pipi, pipi. Shalom, bien aimé. Shalom, brada. Vous et Dieu. Speed. Aujourd'hui. L'aime. Parce que si vous appliquez ça, vous serez béni. Je vais ajouter des situations. Vous allez me supporter. Vous allez vous mettre à ça. Le christianisme contre l'idolâtrie. L'Antichrist s'est mis à quel acte? Paragraphe 191. Nous qui sommes à son image, nous sommes des images vivantes du Dieu vivant. Nous sommes donc morts en nous-mêmes, ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole, Maouya, de nouveau fait chair. Moi, ce parle, il y a calme. Frère Lévi. Ah, brother. Vera, qu'est-ce? Nichal. Pas un Dieu mythique. Pas un Dieu imaginaire. Mais comment le Dieu vivant. On dit amen. Vous avez toujours l'habitude de dire les dieux vivants. Écoutez maintenant les dieux vivants. Qu'est-ce que les dieux vivants? Mulungwombo. Nichal. Qu'est-ce que les dieux vivent? Les dieux vivants, c'est la parole dans Jimmy. Frère Branham dit, aussi longtemps que Moïse voilait la parole dans son cœur, Moïse était le dieu vivant pour Israël. On dit amen là-bas. Campagne amen. Le Dieu vivant. La parole. Mao. Dans le cœur de l'homme. Qui est en Israël.
Yamini akala ya so. Quand un chef vit la parole, vous les rencontrez. Mon command, faites attention. Mouchengi les manis. À ce qu'il va vous. Servir la parole. Si ça mène akala na vous la rencontrez. Mon command. Ayez les discernements. Les pasteurs vont y venir prêcher. Bon, bon, ça va vous faire votre discernement spirituel. C'est Koulani Koumbe, c'est savoir comment vivre. Parce qu'il y a des gens ici à l'église. Il est distrait. Mais il fait un programme d'aller prier à la montagne. Comment à la montagne, c'est pas mal. Moi aussi j'y vais. Mais comment tu dois d'abord discerner ces moments ici. Si tu as discerné le moment, c'est ça qui va prendre. Il te parlera déjà ici. C'est comme il y a des jeunes qui viennent à l'église. Il est tellement distrait, il ne veut même pas écouter la parole. Allez, j'ai ça tellement ça pour la semaine. Il va me donner vraiment une prophétie. Non, si vous n'êtes pas sûr, prophétie, mon roi, c'est pas me donner. Il commence à chercher ça. Ah, bah, vous savez la prophétie. C'est jour ici, il ne parle pas. Elle m'a dit, c'est pour ça. Oh c'est lui qui parle ici, c'est qui? Donc, maintenant, le papa parle en Italie. Hein? Frère, madame, et dit. Bravo, d'accord. Le moyen principal, dit la Yafé. Par lequel Dieu vous parle. Le moyen principal, c'est la proclamation de la parole. Petit là, ou pas, ou bien tu vas aller là. N'est pas à l'église. Écoute, tu ne peux voir Dieu dans l'autre que lorsque tu le vois en toi. Gati, on a fait ce mouli. On a raconté l'histoire d'une petite fille. Un jour, il demande à sa maman. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Maman dit, votre monitrice. Est-ce qu'on peut voir Dieu? C'est une question difficile. Et question va voir les pasteurs. Quand on est au il va chez les pasteurs. Mais nous, on est au pasteur. Est-ce qu'on peut voir? Non. C'est comment on est au le pasteur déçoit la fille. Au pousse, on a commencé à dire sa poésie. Il ne peut voir Dieu vivre. C'est mon longus. Mon tout sang, on est au long. On a qu'on calme la mort. La fille est triste. Si le Dieu qui m'a créé, je ne peux pas. Elle va se mettre près d'une rivière. En train de pleurer. Elle voit un pêcheur. Aona, un vieux papa. Fini ma fille. Pourquoi tu pleures? Il dit. Attends. Je te pose d'abord une question. Le pêcheur s'est tourné. Mais toi tu m'avais dit je pleurais, non? Maintenant pourquoi toi tu pleures? Il a serré dans ses bras. Pendant toutes les 60 années que j'ai fait pour lui. Et quand je regarde le coucher du soleil, et je vois Dieu. Quand je vois les vagues, je vois Dieu. Quand j'entends les oiseaux, je vois Dieu. Quand j'étais fou, qui s'appelait Junior. Mais tu peux pas. Ma maman lui dit va dormir. Il dit maman je ne dors pas. Ni Junior. On nous a appris à l'église que Dieu est vivant. Maman je crois que Dieu est vivant. Mais quand il y a les effets que je peux voir, quand il y a les données que je peux entendre, nous aussi, nous sommes du même avis. Oh frère, moi j'ai besoin de Dieu qui peut me serrer la main. J'ai besoin de Dieu. Après que je prie, j'ai senti dans mon cœur que Dieu te donne. C'est ça le Dieu que nous voulons. Nous ne voulons pas un Dieu historique. Nous ne voulons pas un Dieu légendaire. Voici l'agneau de Dieu on a dit quoi, qui ôte les péchés du monde. Les gens attendaient de voir un agneau à quatre pattes. Ils ne savaient pas que Dieu avait déjà fait la mise à jour de l'agneau. Béré. L'agneau Béré. Avait maintenant deux pieds. Il a quand même deux mains. Madiabino. Et il parlait. Et le Hikam.
Aujourd'hui, quand on parle aux gens de Dieu, ils ont des brouillards dans leurs textes. Mais nous, les croyants du message, nous savons que le mystère de la piété est grand. Quand on parle de Dieu, on n'a pas des imaginations. On ne cherche pas loin. Depuis la nuit des temps, Dieu s'est toujours voilé derrière la porte. Dans l'Ancien Testament, c'était derrière les ponts des bêtes. Là, les gens disent amen. Frère, derrière la peau de la bête, la gloire de la Shekinah. Les gens disent amen. Mais Pat, sans Jésus, la Shekinah est morte à la croix. Le voile du temple s'est déchiré. La croix de Jésus est mort à la croix. Le voile du temple s'est déchiré. Ce qui était interdit. Et maintenant ouvert. La chaise du souverain sacrificateur a été renversée. C'était pour dire que nous avons quitté la sacrificature d'Aaron. Nous sommes maintenant dans la sacrificature de Melchisédek. Alléluia. Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. Offrant des sacrifices spirituels. Avant, before, quand tu entres dans le sein des saints, c'était la mort. Mais aujourd'hui, quand tu restes en dehors du sein des saints, c'est ça la mort. Frère, cette colonne de feu, je l'ai voilée pendant toutes ces années dans mon cœur. Si vous voulez voir Dieu, vous n'avez qu'à me déchirer. Et je déclare ce soir, si vous voulez voir Dieu, vous devez percer le voile. Ne soyez pas distrait. Si vous voulez voir Dieu, regardez alors le voyer la divinité. Si vous voulez parler à Dieu, vous savez comment le faire. Si vous voulez donner à Dieu, vous savez comment le faire. Dieu aujourd'hui, il se cache dans des hommes. Voilà la solution à tout des problèmes. Quand tu rencontres un frère en route et que tu as un problème sérieux, si tu rencontres un frère ou une soeur, sache que ta solution, si ma solution est à vous, mais s'il n'a pas d'argent, le fait qu'il entende ton problème, il va aller s'agenouiller. Il va dire: Seigneur, souviens-toi de mon frère. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai la prière. Merci. Plus de Dieu imaginaire, plus de Dieu historique, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'exception de son corps physique. Alléluia. C'est-à-dire, le Jésus qui est ici ce soir, c'est le même Jésus. Pourquoi la petite Bethléem? Par exemple, 103, je pense. Il dit: je n'adore pas un juif. Quand j'adore Jésus, j'adore Dieu. La présence de Dieu. Virgule. Sa parole manifestée pour ce jour. Jésus-Christ, ce n'est pas ce que vous avez dans vos imaginations. Jésus-Christ est celui qui est ici. Mais il est où? Voilé dans son cœur. Voilé dans son cœur. Voilé dans son cœur. Voilé dans le pastel. Voilé en moi. Maintenant que je te parle, c'est Jésus-Christ qui te parle. Alléluia.
Alléluia. Alors Jésus veut te bénir. Yes, sois béni au nom de Jésus. Oh, si tu le crois, sois prospère. Sois élevé. Je proclame la grâce sur ta vie. Jésus avait déclaré. L'Esprit du Seigneur m'a ouvert. Car il m'a annoncé. Vous proclamez les bonnes nouvelles. Vous libérez les captifs. Ce soir, je viens libérer les captifs. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je viens donner la liberté. Au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, alléluia. Moi, si tu le crois, pousse les cris de joie. Oh, que Dieu te bénisse. Nous voulons t'en servir. Holy believe. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. C'est Jésus qui écoute la parole. Viens sans lui couper la main. C'est Jésus qui prêche la parole. Viens sans lui couper la main. C'est Jésus qui dit amen. Viens sans lui couper la main. Je suis dans les peines. Je vous l'attends. Le Père est en moi. Attends, moi en vous. Il est en moi. Et vous en moi. Il est en vous. Voilà le mystère des limites. Dieu vous bénisse. God bless you too. Alléluia. Quelle couleur. Quelle couleur. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse ça. Alléluia. Garis et Capolova. Voyons que Dieu est dans son église. Qui peut le continuer à nous voir les mots mots. Dieu est dans son peuple. Alléluia, gloire, gloire. Tu dois te croire toi. Pour faire une carte aussi pire, te wake. Dieu est Dieu en miniature. Dieu est mon nom dans le monde. Alléluia. Divinité en toi. Vous mourrons pour nous quatre fois. La divinité dans la sœur. Vous mourrons pour mourir pour l'autre. La divinité dans le frère. Vous mourrons pour mourir pour l'autre. Là, on va se respecter. Pas d'être sans problème, mais amen. Reconnaître la présence de Dieu. Vous dites que la présence est sans problème. Ce n'est pas un homme. C'est mon tout. C'est Dieu. Comment est-ce que c'est tellement profond. Vous dites que Manik va aller voir la Alléluia. Manik va-tu passer les mots. Tes appels là. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Sire, baby.
Merci pour ta parole ce soir, oh Dieu. Donc nous comprenons qu'on doit discerner le corps du Seigneur. Et nous comprenons ce soir, oh Dieu, le corps de notre Seigneur. C'est mon frère, c'est ma soeur. Oui, Seigneur notre Dieu, si on peut reconnaître cela, nous pouvons nous respecter les uns et les autres. Oh notre Dieu, c'est toi qui viens de nous parler. Laisse que cette parole, oh Dieu, soit ancré dans nos cœurs. Que nous changeons nos visions. Que nous changeons nos raisonnements. Que nous changeons la manière de voir les choses. Qu'on puisse voir les choses à la lumière de ta parole. Car tu nous as dit, oh Dieu, que aujourd'hui, Père, tu as actualisé les choses. Père. C'est pourquoi nous comprenons, oh Dieu bien-aimé, que Christ, qu'on pouvait parler par Jean de l'agneau. Oh, nous avons compris par la travers William Branham que cet agneau a été abdaté, Seigneur. Et nous comprenons, Seigneur Jésus, que c'est toi, Christ. Et nous comprenons qu'au mot Dieu, que nous sommes de Jésus dans la chair humaine. Nous devons aujourd'hui, Seigneur, avoir des considérations les uns et les autres. Se respecter, au Dieu. Honorer mon frère. Honorer ma soeur, oh Dieu, et honorer ta parole. Laisse, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu puisses bénir cette parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Que cette parole produise des fruits. Car, Seigneur Dieu bien-aimé, ta parole ne sort jamais. Retournez à toi sans accomplir le but pour lequel tu les as. Nous savons, Seigneur Dieu, comme le ton ferme était pour te le dire, ces jours-là, il a été envoyé pour nous. Et nous pouvons dire, Dieu nous a visités. Nous avons reçu Jésus au milieu de nous, dans la forme d'un homme. Laisse que nous soyons unis, Seigneur. Que nous puissions avoir le discernement et que nous agissons, Seigneur, conformément à cette parole. Sois notre Dieu toujours. Continue toujours à nous bénir, Seigneur. Ouais, Seigneur, ton serviteur, encore davantage, oh Dieu. Il est un homme, Seigneur. Il doit être épuisé, Seigneur. Laisse que tu puisses encore le fortifier pour le temps qu'il est encore avec nous. Bénis son ministère, bénis son épouse et son enfant, bénis aussi son église qui est respectée, Seigneur, et tout son programme, Père, et bénis aussi chacun de nous, Seigneur, même notre retour à la maison, car nous l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Oui, amen. Nous remercions beaucoup le Seigneur. Si amen, qu'il a bouillé ma mine, ma mine. Pour la présence de notre frère. Par les présents, ça vous parle, ouad. Qui est en train de nous bénir de sa parole. Mais là, vous dites, Dani, ça n'a pas comme il vient de nous parler, comme de cette manière.
J'adore aussi profiter de l'occasion pour un peu vous annoncer le programme que je dois avoir pour ce mois qui a déjà commencé. Il faut encore zanier programme où il y a many scénarios. La visite du pasteur Amissi qui devrait venir nous visiter. Il devrait venir ce mois ici. Mais le programme avait été perturbé. Programme avec l'anniversaire de notre papa André Virgila. Tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs se sont retrouvés là-bas. Et il y avait une organisation qui a été faite parmi ses enfants, moi aussi et autres pasteurs. Alors, c'était dit qu'on devrait lui apporter un cadeau d'anniversaire. Une contribution devrait être faite. Mais moi et le pasteur Isaac de Kasumbalisa, nous nous sommes dit qu'on doit faire aussi d'une autre manière. Parce qu'on s'est vu qu'on n'y avait pas moyen que nous puissions aller encore en Bujmai comme on venait de là. Et comme on avait aussi un programme avec lui, avec le pasteur André Vigila. Alors on s'est dit qu'on peut s'organiser aussi d'une autre manière. Quand il va venir, que nous puissions lui offrir notre cadeau que nous aurons aussi à deux. Alors, je vous avais même donné son programme. Et il doit venir à Kasumbalesa ce mois ici. Le 28, il doit être déjà à Kasumbalesa. Il y a des réunions qu'il doit tenir là-bas. Dans l'église de pasteur Isaac. Alors, après qu'il ait terminé, je crois qu'il peut faire, je ne sais pas, 4 ou 5 jours ou une semaine. Alors, on s'était convenu que je puisse aussi le prendre pour qu'il vienne ici. À partir de Kasumbalesa. Et que je voyais comment arranger son séjour et tout. Qui au moment aussi. Alors bon, il y avait un frère qui m'avait promis de sa volonté qu'il pouvait soutenir son déplacement parce qu'il est déjà un peu âgé, on doit quand même l'honorer. Donc on pouvait l'amener peut-être jusqu'à Ndola. Et de là, il peut prendre l'avion jusqu'à, comme il avait fait la fois passée quand il est venu ici. Comme je vis les jours avancer, il a appelé ce frère-là, il commence à résister encore. Il commence à se plaindre beaucoup de choses. Heureusement que Dieu vient aussi de vous parler de cette manière. Toi, soutenir l'œuvre de Dieu. C'est notre papa. Je me suis prononcé. Je dois respecter cela. Alors, souvent, quand il vient, il n'aime pas des places là où il y a du bruit, là où il y a des enfants, comme dans vos maisons, il aime là où il y a du calme. C'est pourquoi la fois passée, je l'avais amené chez Frère Alain. Comme il n'y a pas des enfants là-bas, il y avait un peu de calme. Cette fois-ci, leur maison est occupée. Alors j'avais préféré, parce que même la fois passée, il m'a dit, même à l'hôtel, l'endroit quand même calme, là, ça me fera du bien. Alors, je souhaiterais peut-être qu'on puisse déjà planifier ces choses, qu'on ne fasse pas des choses comme des petits-enfants. Quand vous prenez des résolutions, il ne faut pas vraiment faire des choses avec des émotions ou
Je ne sais pas si vous le faites par la foi ou je ne sais pas, mais il faut quand même des choses très précises. Tu trouves que je ne peux pas faire, il ne faut pas nous mettre dans des espoirs. Il faut qu'à la fin, vous changez encore, ça me fait du mal. Tu as pensé à son, à quoi il s'est couché, à la laïla, ou ça t'a comme après ça. Même lui aussi n'aime pas des choses comme cela. Pour le navire, c'est pas mon frère, mais souvent, quand tu lui viens, il m'a toujours dit je ne vais pas vous faire une pression. Je viens quand même, je suis déjà une grande personne, je me prépare. Quand je voyais la fois passée des billets pour lui pour le Tanzanie, là c'est pas venu. Il m'a parlé de cette manière. Alors je lui ai dit comme le pasteur venait de me dire. Nous avons aussi besoin de bénédiction. Nous savons que lui, quand il vient, il se prépare. Il peut se loger lui-même, il peut payer ses transports lui-même. Il peut aussi arracher des bénédictions. Pourquoi il faut quand même soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on j'espère que cette parole quand même vous a aidé. Il y a mis dans des années. C'est le Saint-Esprit qui vous a alors moi, je dois quitter peut-être vers le 20 quelques pour aller à Lubumbashi. Et les autres peuvent comme à 20 quelques pour aller à Lubumbashi. Pensez peut-être vers le 26 pour aller là-bas. Les organismes appellent également à 26. Comme j'ai un mariage que je dois venir. En retour, je dois venir avec lui. Les cas de poil et la liste, la poil est là. Il a tenu à son programme. Là, je vous informerai pour le reste, même aussi l'arrivée du pasteur. Commence maintenant à me faire aussi du mal. Vous savez qu'on a encore un programme au mois d'octobre de campagne d'évangélisation. On m'a même demandé par le pasteur Gideon Kasonga. Le pasteur Daniel. Le pasteur Daniel. Que vous devez nous assister aussi. Parce que il doit venir un groupe de 10 personnes. Il m'a parlé de 9 à 10 personnes. Il faut les loger. Sauf une accommodation. Il faut aussi prendre tous les soins, les transports et tout. Transport, il m'a dit que souvent, ils ont une organisation des hommes d'affaires qui payaient tout cela pour eux. Depuis qu'il y a eu le lockdown là au Congo, les hommes d'affaires là avaient aussi résisté. Maintenant, ils se prennent en charge eux-mêmes. Tu prépares un peu le lockdown au Congo, soit un business, mais on n'a pas vu. C'est ce qu'ils m'ont dit que je puisse me prononcer moi-même dans les 10 personnes, je peux prendre la charge de combien pour les billets et autres. Les restes, ils vont payer eux-mêmes. Alors j'avais dit on pouvait même se partager. Je peux prendre même 5 ou 4. Mais il y a déjà un frère qui s'était aussi prononcé. C'est pour prendre la charge d'une seule personne. Alors je ne voudrais pas que j'attende ce temps-là. Si vous prenez des charges comme ça, alors commencez déjà à régulariser pour que je sois sûr que vraiment je ne serai pas sous pression quand la date arrive. Comme le frère vient de le faire pour papa André, ça n'est pas grave. Parce que si je n'avais pas voulu qu'on fasse des cotisations autres, parce que le frère là m'avait dit non, je vous donne $500 pour son déplacement et tout. Alors j'avais compris que les $500 pouvaient déjà couvrir toutes les dépenses. Je commence à résister. Bon, attendons d'abord, choses comme cela, moi je ne vais pas donner de pression. Vous n'êtes pas prêt à laisser. La souris dit si. On est d'accord, hein? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Ta fille, comme ma pète. Allez dans la paix du Seigneur. On peut récolter aussi les offrandes pendant que nous sortons. Après, on donne aussi un cantique pendant que l'on récolte les offrandes. Pas si bien, mais c'est le message. Le message. Alors,
de Dieu va commencer là à tout. Les mecs, les amis, m'ont pris aussi. C'est comme si les pasteurs savaient le Saint-Esprit qui a parlé. Ce n'est pas les exclusives, hein. Ce sont des musiques qui ne vont pas. Il y a un frère. Oh, voilà, ça va. Je devrais vous laisser avec. C'est Benaïva à la zone. Un frère m'avait aussi suivi comme cela. Pour lui prendre un an, il avait eu 1050 boîtes dans l'offrande. Maintenant, il commence à chercher.